Bonjour, je m'appelle Vincent Loubière et je suis doctorant à l'Institut de génétique humaine de Montpellier. C'est une unité mixte de recherche CNRS-UM et cette année, je suis lauréat des grandes avancées en biologie santé du Pôle Rabelais. Quand j'ai su que j'étais lauréat des grandes avancées en biologie santé du Pôle Rabelais, j'étais très heureux parce que c'est une forme de reconnaissance. J'ai fait toutes mes études à l'Université de Montpellier. J'ai d'abord commencé par une IUT, puis j'ai fait une licence pro. Et enfin, je suis venu en master biologie santé en quatrième année. Et après, j'ai fait le master biomède et maintenant, je suis à l'Institut de génétique humaine. What is so ZP65? J'ai voulu faire de la biologie parce que j'ai toujours beaucoup aimé la nature et j'aime aussi beaucoup comprendre les choses, etc. Donc, je pense que c'est une des meilleures façons de le faire. Mon laboratoire travaille sur les protéines du groupe Polycomb, qui sont des protéines très conservées au cours du développement et qui participent au développement, aussi bien chez la mouche drosophile que chez l'homme. Et chez l'homme, ce sont aussi des protéines qui sont très souvent dérégulées dans les cancers. Et donc nous, on va utiliser la drosophile, qui est un système simplifié, afin d'aller comprendre pourquoi Polycomb participe à l'apparition des cancers. Voici deux types de mutants Polycomb, donc un mutant de type PRC1 et un mutant de type PRC2. Et vous pouvez voir que seul le mutant PRC1 en fait, présente l'apparition de tumeurs, puisqu'il est beaucoup plus gros que le PRC2, et qu'il a ce genre de structures en forme de boules qui sont en fait des cancers. Notre découverte va en fait permettre de mieux comprendre quels sont les mécanismes qui permettent au PRC1 d'empêcher l'apparition de tumeurs chez la drosophile, mais aussi chez l'homme, puisque la plupart de ces mécanismes semblent conservés. Donc ce tube contient des mouches drosophiles, c'est donc la petite mouche du vinaigre qu'on retrouve souvent en fin de saison après les vendanges, et c'est elle qu'on utilise pour toutes nos recherches. Les mécanismes sur lesquels on travaille sont des mécanismes très importants pour la vie et qui donc sont très conservés au cours de l'évolution, ce qui fait qu'on va pouvoir travailler chez un organisme qui est beaucoup plus simple que l'homme, qu'un drosophile, chez laquelle on pourra faire tout un tas d'expériences. Elle va constituer un modèle simplifié, mais qui néanmoins contient toute l'information et tous les mécanismes de base qui vont aussi avoir lieu chez l'homme. Donc on va pouvoir comprendre l'homme à travers la drosophile. On a tout un tas d'outils génétiques très très puissants et on peut faire des expériences qui sont très, très précises comparées à ce qu'on peut faire avec d'autres systèmes. En termes d'applications concrètes, on en est loin parce que nous faisons de la recherche vraiment fondamentale, qu'on cherche juste à comprendre les mécanismes qui permettent au PRC1 de jouer ce rôle de tumeur suppresseur. Mais à long terme, c'est tout à fait possible qu'une meilleure compréhension nous permette de faire des découvertes qui auront un impact sur la lutte contre le cancer ou d'autres types de problématiques.